Bonjour à tous. Donc, voyez, regardez, vautour plumé. Donc, voilà, comme vous l'avez compris, ça va concerner le vautour. Mais dans le jeu, ils l'appellent pas le vautour, ils appellent Sol un urubu à tête rouge. Donc, justement, j'en viens d'en tuer un. Et là, je suis à Saint-Denis, dans les marais. Oui, il y en a aussi qui passent vers Saint-Denis, dans les marais. Il n'y a pas que à Tumbleweed et Armadillo. Donc, voilà, on va partir à la chasse au Rububu. Au Rubu. Enfin, bref. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un. Non, c'est des ronds. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un Urubu dans le jeu. Donc, moi, je trouve qu'il faut un petit peu galérer les joueurs. Bon, tous les joueurs ne savent pas. Que les vautours ils appellent ça un urubu dans le jeu, donc je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon, un grand oiseau et que c'est marqué rubu, c'est ça, hein. C'est ça qu'il faut chasser et déplumer. Enfin, c'est cet oiseau là qu'il faut déplumer pour votre défi. Je chasse toujours ici le vautour, enfin le urubu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent qu'il y en a qui passent vers les marais à Saint-Denis. Il y en a, je vois beaucoup de joueurs à Tumbleweed et Armadillo. Bon, c'est vrai, il y en a là-bas aussi. Mais moi, je préfère être à Saint-Denis justement pour les chasser. Alors, moi, je me sers beaucoup de mon œil de lynx pour chasser. On les voit beaucoup mieux. Ah. Ah non, c'est. Oh, j'ai quitté Gretro, bon, remarque. Voilà, ça fait pas partie du défi, mais bon, c'est pour les plumes. Voilà, il est 18h55 dans le jeu. Ah, ça va être chaud pour trouver des urubus à cette heure-là. Devoir attendre le lendemain. N'empêche, ça fait vraiment un très très beau coucher de soleil. Hein. C'est vraiment bien fait. Ouais, bah, je suis nul. Ah mais regardez ça, il n'y a pas un seul oiseau dans le ciel. C'est dingue hein, quand même. Oh là là, puis la lune là. Ça fait beau. Voilà, il est 4h54 dans le jeu. Et j'en ai même pas vu une seule pendant la nuit. Pas vu un seul urubu pendant la nuit. Tout ce que j'ai vu comme oiseau, c'est des chouettes. Et aussi bah, des chauves-souris. Ah, regardez, des cormorans. Hop là. Il faut que je les flingue. Hop là. Voilà. Donc voilà. Il y a aussi des cormorans. Comme ça, s'il faudra chercher des cormorans, bah vous savez où il y en a. Donc voilà, bon, ça fait pas partie du défi, mais tant pis. Allez, je les déplume. Donc voilà, là, il fait jour. Donc je devrais en croiser. Bon, ça, c'est. Ah, des aigrettes. Hop. Allez, ça aussi. Merde. Voilà. Parti. Allez. New Cobalt. Ah bah c'est bon ici. Ah. Un urubu. Boum. Ah bah toi je vais pas te manquer. On manque un et c'est bon. Ouais, le problème c'est qu'il commence à avoir de la brume là. Donc c'est un petit peu gênant pour chasser. Bah là, ils sont les urubus là.
Rockstar, il est en rupture de stock ou quoi? Ouais, faut avoir vraiment l'œil partout. Et surtout, beaucoup regarder en l'air. En faisant attention de ne pas se prendre les obstacles. Bon, ça c'est facile à dire. Oh, et aussi les alligators. Ici, tiens. Ah, des plongeons. Ah bah lui, il va en enfer un plongeon. Voilà. Il porte bien son nom, les plongeons. Rockstar, mon urububu. Ah. Ah, c'est un grand oiseau, ça. Oh putain, c'est bon le dernier. Wouh. Il était temps, hein. Donc voilà mon dernier rebut, enfin mon vautour. Voilà, bah il était temps. Voilà. Ouf. J'ai bien vu, hein, les vautours, enfin pardon, les urubus comme ils appellent ça dans le jeu. Voyez, regardez, il y en a, comme vous l'avez vu, il y en a dans les marais à Saint-Denis. Il n'y a pas que à Tumbleweed et aussi à Armadillo. De toute façon, je pense que vous en trouverez un petit peu partout. Il suffit, comme je vous dis, de regarder en l'air. Donc voilà, cette vidéo défi est terminée. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à valider votre défi du vautour déplumé, enfin le rebut. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo aussi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo défi. Bye bye.